Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, au programme, le filtre à redstone. Allez, on s'y met tout de suite. Pour faire un filtre à redstone, très simple. Déjà, une petite structure assez basique. Hop, comme ça. Voilà. Un petit coffre. Un hopper. Un deuxième hopper. Un petit comparateur. Et de la poudre de redstone. Voilà. Tout simplement le filtre. Ensuite, vous avez besoin d'un item que vous allez devoir trier. Et on va prendre une torche. Et des petits ustensiles. Vous en mettez 5 dedans. Hop. Voilà. Du coup, la torche de redstone bloque cet hopper là. Donc il ne peut pas récupérer les items. Dès que vous allez. Hop. Balancer des items. Le comparateur va détecter qu'il y a des items dans le. En plus dans le hopper. Il va envoyer un courant qui va éteindre la torche qui va permettre de transférer les items. Et vu que l'entonnoir a une torche de redstone dessous, il s'éteindra tout seul. Et ça marche très très bien. Voilà. On va essayer avec. On va changer le filtre. Donc, vu que là on en met 5, du coup ça fait 20 items dedans. Normalement il s'arrête à 21. Vous pouvez emmener les items via des hoppers, un chemin d'eau ou les balancer à la main, si ça vous fait plaisir. C'est un système très basique qui vous demandera pas beaucoup de temps et sera très facile pour trier beaucoup d'items. Allez, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.